Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, c'est Oxy. Comment ça va? Il y a une deuxième cam ici. Aujourd'hui on est en compagnie d'Inoxtag. Ouais les revenus. On est en compagnie de Michou. Yo les potes. Et on est en compagnie de Gizzy. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour un concept que vous avez grave kiffé au premier épisode. Le concept est très simple, on va tout simplement faire un duel de cabane DIY. Les équipes sont très simples. Première équipe, Oxy Gizzy. Deuxième équipe, les croutons mon frère. Mon frère, bien joué. Vous connaissez déjà le concept, on va être en deux équipes, on va tout simplement créer la cabane DIY de nos rêves. Pas forcément de nos rêves, mais on va faire une cabane DIY. Sachez une chose, c'est qu'on est carrément pressé par le temps de ouf, parce qu'ils ont leur train ce soir, donc il y a trois fois plus de suspense que dans la première vidéo. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais la vidéo elle est sponsorisée par une certaine marque. Comme ça là, vous arrivez à savoir à peu près ce que ça peut être comme marque. C'est une marque de coque, personnalisable, et qui résiste à pas mal de choses. Attention, votre téléphone sera pas incassable, mais il résiste quand même vachement bien. C'est les coques Rhinoshield. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo tout à l'heure, ils ont fait une nouvelle collection sur le thème de Naruto. Absolument incroyable. C'est parti pour le débrief, chacun va aller dans son coin et on va toutes les deux équipes, on a que 10-15 minutes pour réfléchir à une potentielle cabane. La question est vite répondue. Ouais, exactement. Vidéo. La guillemette, on fait le débrief dans le buisson, genre on rentre dedans. On a quand même un avantage, c'est qu'on a déjà fait le premier épisode, donc on sait sur... Non, c'est pas grand chose de plus en fait. Moi je propose un truc. Ouais. J'ai une idée de malade. On va aller à Leroy Merlin, on fait un tour, on impro et on regarde. Poli, la solidité de Gizzy et la grandeur de la tienne. Ça c'est une phrase que j'aime. En vrai c'est ça le truc, c'est que là on n'a pas forcément d'idée en tête. Si on réfléchit on va trop se creuser la tête, on va rien trouver. Et même si là on se dit on va faire ça et qu'il n'y a pas Romain Merlin, on va être bouleversé par les... On va être bouleversé, on va être chamboulé, on va perdre nos moyens. Tandis que là si on y va et on sait déjà pas ce qu'on va faire, on peut pas aller plus loin. Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah je pense qu'on pourrait commencer avec un sol en marbre. Ah c'est budget illimité. Ah oui attends, je vais leur crier. Au niveau du matos, vous avez budget illimité, mais juste il y a un point pour celui qui arrive à faire la cabane la moins chère possible. On va visiter des apparts, on en achète un. Une belle cabane en vrai. Fais un salto. Je suis chaud. Ah ça brûle. Ah ça brûle. Au pire viens, on verra sur place. On est direction Brico Dépôt. Ah non c'est vrai. Moi on sait pas trop. C'est là qu'il nous faut de l'inspiration Inoxtag. Après bon déjà c'est pas ici. Ouais, ça commence bien ça. Cet épisode il va être fou en gros. 100 euros. Au moins on aura des chiottes. Comment tu fais sinon? Tu fais caca par terre? Bah non. Viens d'abord, on pense au mur. On prend des petits trucs de mort là comme ça, regarde la poutre là, ça vaut 13 balles. On en prend genre plein pour faire genre une espèce de petite serre, tu vois, ou une carré. Et après on fixe avec des trucs de postillas. Ouais, ça peut être pas mal. C'est ça qu'il nous faut, mec. Si on arrive à faire comme dans notre tête, c'est incroyable. Il te faut quand même un truc pour faire ça. Mais c'est pour faire du roller si non. Je veux faire des saltos sans me blesser. Bah non. Fêtons les Frédéric aujourd'hui. Bon anniversaire Frédéric. Ouais Frédéric. Ouais bonne anniv. Ça marche bien. Ouais c'est lourd. Par contre là si on n'a pas la meilleure maison je comprends pas. Je sens qu'il va se péter en mille morceaux dans ma main. Excusez-moi, ce serait pour savoir si c'était possible de louer un camion. Attends. Oh, comment ça vous avez un camion là? Mes plaques elles diraient trop bien là. Vas-y, il a pas vu là. Vite, il voit pas vite avant qu'il se casse. Vite. Eh hey, c'est nos planches là frère. Fais voir la scie, passe la scie. C'est notre tiécard là. Bah toi je vois que du plexiglas. Fais quoi là? C'est juste que je regardais un peu le truc et je me disais putain on va peut-être se manquer un peu une bulle. Toi t'es trop violent. Vous êtes sur notre putain de maison. Mais quoi gros? Oh putain, t'as vu comment ça sent trop bien là? Mais c'est pas un trampoline. Ouah frère, okay. Tu sais que c'est vraiment chaud ce qu'on veut faire. Hein. Moi les Gizzy, y'a que toi qui bosse. Moi je commence à en avoir marre tu vois. Putain merci de l'aide gros, sans toi franchement j'aurais aussi réussi. Bon j'aimerais bien que tu m'aides un peu parce que là ça commence à me saouler d'avoir porté tous les plexiglas tout seul là. Ah ouais, c'est bon. Mais là pour toi ça va tenir. Non. Bah comment attends, on fait t'inquiète. Déjà viens on cloue ça à ça. Moi je sais juste que la vidéo elle est sponsorisée par Rhinoshield. D'ailleurs on connaissait Rhinoshield ou pas? Voici le plan des autres en train de bosser actuellement. Tiens tu cloues? Moi ça me va hein. C'est pas forcément le boulot le plus dur. Mais du coup je veux parler de Rhinoshield. Rhinoshield c'est des coques qui sont ultra résistantes. Je te dérange pas gros? C'est mon OP. Je le dérange pas alors. En gros là sur mon téléphone j'ai une coque Rhinoshield. Bon ça c'est pas nouveau, je pense que vous l'avez compris depuis. C'est une coque Rhinoshield spéciale Naruto, il y en a plein d'autres. Regardez, je vous les montre ici, regardez, hop là bam. Ça c'est toutes les coques de la nouvelle collection Naruto de chez Rhinoshield. Alors t'inquiète pas, il n'y a pas que Naruto. Si tu vas sur le lien qui est dans la description, il y a plein d'autres coques. C'est pour iPhone, pour Android, pour plein de choses. Même pour les AirPods. Et attends, ça tombe bien mon pote. Regarde. Moi ils sont tout rayés du coup. Ah tu veux que je te dise un truc? Ça c'est une coque Rhinoshield. Tu avais même écrit Rhinoshield ici. Incroyable. Une coque Rhinoshield pour les AirPods. Ça protège tes AirPods, etc. C'est absolument incroyable. Et puis tu aimes les accrocher comme ça avec un mousqueton. Comme ça, t'es sûr de jamais oublier tes AirPods à la plage. Pourquoi j'ai pas connu ça avant là? Pouvoir en acheter avec mon code promo Neoxy, c'est moins 20% sur la boutique. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il y a un an, mais il y a aussi des protections pour les Apple Watch, c'est aussi intéressant. Tu prends ton téléphone, hop, tu l'attends.
étape là et là je viens de péter ma voiture actuellement. De ouf. En fait c'est Rhinoshield qui souffre pour nous quoi. Franchement c'est ça, Rhinoshield il absorbe tous les chocs. Lien dans la description, tu cliques, tu choisis ce que tu veux, le code Neoxy, -20%, bam. Vas-y, j'essaye de tenir le plus droit possible, mais bien la planche hein. Ouais. Mais des vrais coups frère, t'es en train de caresser le clou là. Le petit sol, ah d'accord. Non et là j'ai l'impression que mon équipe est lâchée. On va voir ce qui se passe dans notre équipe, savoir si c'est meilleure cohésion. Mais frère je suis un monstre ou pas? Ok. Mais j'ai mon ref. Vas-y enfonce le bien, allez 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 allez. Non non il est trop sur le côté. Trop sur non le côté. Non non je te jure que non, fais moi confiance. Je t'avais dit t'as fissuré, regarde il est trop sur le côté. Un mètre je crois que j'ai. On peut contrôler que Guizet ne travaille absolument pas. Alors regarde moi ça sur son téléphone là. Bah alors. Mais qu'on est des vrais architectes hein. Mais par contre si ça marche notre tactique on est des monstres. Mais si ça marche pas on fait comment en fait, c'est ça la vraie question. Ça on verra quand ça marchera pas. Allez on tire, il arrive. Oh attends gros, il y a un problème. T'inquiète. On va mettre un autre pour consolider. C'est le talent. Non mais c'est normal, c'est prévu. Vas-y, vas-y. Mais en vrai, vaut mieux mettre plus que pas assez hein. Viens, on en remet hein. C'est bon, je l'ai. C'est passé. Tu vas me dire que je tiens ça le temps que toi tu le ouais, ouais. Et c'est censé tenir. Non mais ça va jamais tenir. Mais comment on les fait les fondations? Faut fonder les fondations là. Avec la poubelle. Ah t'es pas con, t'es pas con. On te la fait pas. Bolos bro. Bolos. Non mais qu'est-ce que c'est que ça là? Oh Inox allait dedans. Inox t'es rentré dedans gros, t'es chaud. Je suis rentré dedans gros. Mec t'es trop chaud. C'était ta première fois? Ouais c'est ma première fois gros. Je me suis bien débrouillé ou pas? Franchement ça avait l'air hein. Allez on relativise. Les gars dans les commentaires, vous êtes pour la team Michou Inox ou la team Neoxy Gizzy? Après faut savoir que eux ils ont déjà fait parce que nous en fait on sait pas encore ça bah va être ouais. Quoi les problèmes. Il va y avoir des problèmes, c'est sûr et certain. Moi je pense c'est qu'on va retourner. Ça peut pas tout bien se passer. En tout cas pour l'instant ça marche tellement bien, je suis cloué. Je vais te couler bec. T'es mal le mur. Voilà ça craint là, attends je vais faire. Vas-y mets toute ta haine gros. Mets toute ta haine frère. Mec si on gagne pas avec ça je comprends pas. J'ai l'impression que vous galérez en hey, face. Vous faites quoi, un vivarium? Je suis en train de faire une mystery box et rigole. En fait moi j'attends le moment où on la met debout. C'est en fait si ça ça passe, on a gagné. Non. Oh ça pique. On fait quoi? Plus jamais je fais ça gros. Le but c'est qu'on a quand même vraiment volé leur scie quoi. Ils s'en sortent toujours pas. Allez hop là ça part. Mec eux depuis tout à l'heure j'entends des bruits de plastique. Je sais pas ce qu'ils font frère. Ça a l'air catastrophique hein. Mais en fait ils ont pas compris, je crois vraiment ils font un aquarium. Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Hein, ça donne pas envie. Oui, je suis d'accord. Je... Donc sois un peu compatissant avec moi. Oui, mais je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Et de la compassion! On a là, putain, de la compassion, la merde, c'est incroyable ça, là, ça commence à me gaver là. Putain, pourquoi je vais comme ça? Ça me fait absolument trop mal au cul, je suis trop con quoi. C'est le moment fatal. C'est le là. Moment fatal, gros. Mec, je stresse, gros, je suis pas bien. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, faut pas que ça craque, gros. Non. Oh, ça pique. On fait quoi? On fait quoi? Mais tu vas leur visser de l'autre côté, t'inquiète pas. On fait quoi, gros? Ça me fait pas rire, wesh. T'es en train de dire, ouais, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi? Ça va péter, frère. Non, mais je pense qu'ils ont mal, ils ont mal géré les distances. Ok, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, gros, ça. Ça fait plaisir, gros. Oh, mec, c'est plus solide, gros. J'ai retiré un peu le plexi au lieu de jouer avec ça. J'en ai marre, putain. Mais si on la met debout, elle va exploser, gros. Mais frère, mais tu sais... Oh là, ça craint, là. Oui, je t'ai jugé du regard. Ça, vraiment, c'est censé être seul. Tu sais, on dirait quoi, mec? Tu sais, les chewing-gums à la menthe? On m'explique ce qu'ils font. Eh, hey, quelqu'un va à Hollywood chewing-gum ou pas? Vas-y, je suis chaud. Attends, je le mange. Je sais pas pourquoi, je sens qu'avant la fin de la vidéo, il y a soit moi, soit Inox qui allons se péter le doigt. Ah mec, là, c'est solide, hein. Fais ça. Oh. Là, c'est solide, hein. Oh, ça bouge plus d'un poil. Ça bouge pas un poil. Il en reste deux. On dirait mon père quand il est énervé. Je suis épuisé frère, je suis en train d'enchaîner les clous. Oh le bout de bois il s'est coupé. Wow, let's go. Nous aussi attends viens. Let's go. Ça chauffe de ouf là, c'est quoi qu'on fait là, c'est ouf. Vas-y t'es prêt, 1, 2, 3. Wouah gros c'est une dinguerie. Oh la dinguerie. Oh là là. Mais gros regarde. Oh c'est un truc. Regarde gros, ce qu'on a fait. On a vissé une équerre. Oh là là mais ce qu'on fait. Eh vous êtes finis là. Oh non on a plus d'autres. On doit y aller à l'ancienne méthode, hein, les tournevis. Ta gueule. Mais ce côté-là, il est parfait, frère. Ah, je me suis...
suis niqué. On a une question, faut qu'on mette notre maison debout. Inox va pas pouvoir m'aider. La question c'est est-ce que vous pouvez nous aider quoi? Un petit coup de main. Viens, on va se concerter. Viens, on met un mur pour pas qu'ils nous entendent. C'est bien, c'est qu'avec votre mur on vous voit pas. Et du coup, ça dit quoi? On va les aider? Non. Donc vas-y, on va faire une porte. Mais du coup, la proposition elle tombe à l'eau. Tiens, attends, la porte c'est prête, on va la faire. Ah bah c'est pas, on va appeler des abonnés. Ça vous dérange pas? Alors on va faire une story, venez à la Redbox. Moi ça me dérange pas, hein, comme vous voulez. On s'est concerté et au final, puisqu'on est des bons samaritains, on va venir vous aider. Oui! Il y a un problème sur le toit là. Viens on remet. Dans 30 secondes. Faut que quelqu'un tienne là parce que ça va péter là. Non. Oh sa mère, ça craque. Tu penses? Ça va péter là. Tu travailles 3 fois plus dans cette maison pour la mienne. C'est n'importe quoi. On la remet en bas gros. Bon, fais gaffe. Putain. Mais pourquoi tu rigoles frère? S'il faut casser plus de cabanes, tu m'appelles hein. Ils nous ont carrément appelé pour qu'on leur casse leur cabane et on leur a redonné comme ça quoi. Voilà, vous rentrez ici. Notre maison elle a plus de charme comme ça. On va scier ça, ça va faire une porte. C'est vous qui avez notre scie? Ouais, c'est quand elle est tombée du camion, on avait... Ah ouais, elle est tombée sans l'emballage. Si, elle est neuve, t'inquiète. Regarde ta cabane, elle s'envole. Il m'a mis un high kick le bail. Ah ouais, on fait la porte là, et ouais. Là on met une fenêtre. En vrai ça va, c'est pas simple hein. Oh, j'ai de la poudre dans les yeux. C'est bon. T'es un barbare aussi mec. Honnêtement, bon. C'est de la merde. J'ai presque inox, t'es à la fin. J'en peux plus. Go! Ouais, bah moi aussi je peux dire yes! Oh, ça marche trop bien, c'est incroyable ce que je suis en train de faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le sol. Ah, ouais, en plus, c'est trop chiant à mettre sa mère. Là, il nous faut le sol, gros. Et le sol, ça fait la diff. Là, clairement, si le plexiglas pète, putain. C'est dur à dire. Plexiglas pète, bah franchement, on est dans la merde. Oh, ça rentre nickel. Ne crions pas victoire, tonton. Là, à partir de maintenant, ça va juste être un jeu de plus de batterie, batterie, plus de batterie, batterie. T'es chaud là frère. Yes, t'es un monstre. Pas touché plus ça. On verra quand même que mon coéquipier est parti pour rendre le camion qu'ils ont emprunté. Frère, c'est carré gros. C'est incroyable. Mec, c'est une dinguerie. On va avoir une fenêtre. Ah bah c'est pas trop tôt. Mets-le bien. Ouais. C'est bon. Moi c'est carré. Là va falloir poser doucement gros. On a l'avantage d'avoir une maison qui store frère. En vrai faut vraiment le vouloir pour que ça tombe. Gros, j'en ai marre de cet homme. C'est dans 30 minutes, on doit avoir fini. Tu peux mettre ça sur ta maison si tu veux. Tu l'aurais volé. Mais pourquoi il y a une fenêtre? Bah parce qu'en fait, faut scier. Ah ouais, flemme en fait. Regarde, t'es mal à la porte, comment elle est pas droite. C'est compliqué. Ah ouais. Tu mets de la paille dans le fond et tu mets des petits lapins. Ah ouais, c'est vraiment pas une maison quoi. Ouais, vraiment pas, non. J'ai passé si près. C'est bien, c'est qu'on est en train de voler vraiment à l'intérieur de la Redbox. Ah, faut y aller fort, ouais. Ah ouais. C'est éclaté, gros. Hey, parle mieux de notre maison. On avait pris une noire, une blanche. Ils ont pété à nos bonbonnes. Ah ouais, mais il y a vraiment beaucoup de vent ici, hein. Oui, mais il vient de là-bas, il vient jusqu'à nous. Mais non, mec, t'es Rhinox, mais vraiment en mode tag. T'es vraiment chaud, hein. Viens, on fait une dédicace à Neoxy et Gizzy, gros. C'est pas un vivarium ici. C'est pas un vivarium ici. Vas-y. Ouais, on signe à la fin. Et j'espère que cette vidéo elle va vous plaire, parce que franchement je vous jure, c'est pas si facile hein. Elle fait vraiment peur notre maison Michou hein. On a essayé de le cacher un petit peu, mais là, il y a un trou. On va pas se mentir, nous on s'est fait quand même chier avec du plexiglas. On s'était parlé avec Inox, on voulait une maison qui fait passer le message que dans la vie, faut pas regarder que le côté extérieur. Voilà, faut regarder l'intérieur. Voilà, faut et rentrer là, dans... Tu rentres, tu vois la belle maison que c'est. Faut pas s'habituer que sur l'extérieur d'une personne. On est fatigué. Ouais, je pense. Bah maison terminée. En vrai ça va, on a quand même des dessins assez flingués sur les murs, ouais. Je pense qu'on aurait rien dû faire en vrai. Ça fait tout ça en 3h, 4h achat et construction. Honnêtement, et en vrai c'est stylé. Est-ce qu'on n'est pas fiers de notre création? On est très fiers, je pense qu'on a d'être ça aujourd'hui. C'est vrai que nous aussi on en est fiers de ce qu'on a fait. Ouais. Mais non franchement c'est stylé. Oh.
En tout cas, on vous souhaite la bienvenue, la Rhino House. D'extérieur, elle est vraiment jolie. Hein. Petite fenêtre, j'aime en voir dehors. Voici l'intérieur. Par contre, l'intérieur, moi, je valide. Ah ouais, l'intérieur. Ok, là, l'intérieur, les gars, vous avez été vraiment chaud. L'intérieur, il est trop bien. Deux duvets. J'ai envie de faire un test. Tu peux aller t'asseoir sur la chaise? Bien sûr, les gars. Ah, on est bien. Ça passe bien. L'intérieur est trop bien. Vous êtes chaud. Hein. Parce qu'évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle la Rhino House. Là, on va commencer à faire les tests sur votre cabane et après, on ira voir la vôtre. Le premier test, c'est le test de l'eau. Donc, savoir l'imperméabilité. Allez, c'est parti là. Oh, il pleut un petit peu, hein. Ouais, t'inquiète, en vrai. Ouais, bah regarde. Vérifie, là, ça marche. Oh, bah, ah, l'enculé. Ça marche bien. Non, en vrai, ça va. Ok, ouais, ça a l'air d'aller, ça hein. Va. Non, test devant, validé. Donc, on a le point de la solidité. Je pense que le prix, on le fera tous les deux ensemble. Du coup, on passe à notre maison, la Mishox House. On aimerait déjà vous présenter la devanture. Franchement, stylé. On voit qu'il y a de l'artistique. Okay. Franchement, là, on a un artiste qui s'est chauffé. Franchement, beau gosse, c'est carré, tu connais le process. Néox, est-ce que tu peux nous lire ça? C'est pas un vivarium ici. Faut le lire. Franchement, c'est vraiment très joli. Soirée Netflix avec ta go, t'es bien. C'est vrai que là, je suis d'accord que c'est spacieux. On peut s'asseoir. Je peux complètement me poser comme ça dans le coin. C'est vrai que je suis vraiment assis posé. Franchement, niveau espace, vous avez géré de ouf. Non, ouais, franchement, c'est incroyable. Ok, on est en train de jeter l'eau là. Y a de l'eau là parce que j'entends pas, je vois rien. Oh le bâtard! Ah bah toi! Allez, on enlève le point de la flotte. Test de la solidité. Solidité. Vous pouvez y aller, hein. Ah non, franchement, je pense que ça a l'air de solide quand même. Non, franchement, niveau solidité, c'est du bois, c'est bien fixé. Ouais. Reste entre guillemets deux points. C'est le point du prix. Celui qui a payé le moins cher. Le deuxième point, c'est le point des abonnés qui vont voter dans les commentaires savoir à quelle maison c'est la meilleure. La Rhino House nous a coûté 442€. Quoi? C'est vrai? Mais gros! GG. GG les gars. 250. Donc c'est les abonnés qui vont tout déterminer. Les abonnés, ouais. On vous met un espèce de petit sondage tout en haut à gauche et vous départagez laquelle des maisons vous a le plus plu. Bah c'était juste trop cool d'avoir. GG. Les gars, GG. Félicitations. Incroyable. Bravo pour cette journée. Du coup, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez voter. Merci encore à Michou, à Inox, à Gizzy d'avoir été là. C'était incroyable. Merci encore à Rhinoshield d'avoir sponsorisé la vidéo parce que je rappelle que sans eux, bah, on n'aurait pas eu le budget pour payer tout ça. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la bombarder de likes. C'était Inox, c'était Michou, c'était Gizzy, c'était Noxy. Ciao tout le monde. Ciao les gars. Tchuss.